Tante Janine, frère de mon père Maxime Félix, était célibataire. Elle était une institutrice et aussi professeure de français et a vécu longtemps à Port-Louis. Maladive, ayant subi des brûlures de premier degré, elle s'était rétablie et devait vivre encore très longtemps. Dans sa vieillesse, elle s'était retirée au couvent de Saint-Jean. On peut entendre sa voix dans cet enregistrement fait le jour de ses 90 ans. Mais si Sténio, mais si Denise, elle devait mourir la même année, le 26 août 1985. Denise a porté les fleurs pour toi là. Oh. Denise est Sténio. Oui. Mais de la cour? Non, c'est son travail ça. C'est son travail qu'il a eu ça. Je ne peux pas retourner dans les fleurs. Merci de. C'est bon, c'est bon. Merci Denise. Tu es contente là? Allez. On va arranger une jolie beauté. C'est bon, c'est bon, que Denise va compter là. Hein? C'est bon, bateau. Tu vas prendre un petit grog là. Tu vas prendre un petit grog là. Non? Non? J'ai chanté pour elle tout à l'heure. Quelle date fête aujourd'hui, ta fête? Quelle date? Je vous ai dit. Le 24. Ah ben, le 24 juin. Ah ben, elle s'est rappelée. C'est le 24. Elle s'est rappelée que c'est le 24.